À tout à l'heure, bon appétit quand même. Oui. Ne vous laissez pas abattre. Je ne me laissez pas abattre. Non. Si vous laissez abattre. Je prends vos conseils de sage. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Quoique, les deux me vont. J'aime bien manger, moi aussi. Moi aussi. J'aime manger, oui. Alors, autrement, on va mourir si on ne mange pas. Ah oui, et puis tant qu'à faire si on mange bien. Hein? Des bons petits plats. Si on vit trop, ça va pas non plus. Et un bon petit café pour finir le repas. Ah oui, ça toujours. Ah, t'es, ça toujours. Ça, le café toujours. Et je l'ai eu toute ma vie, le café à midi. Ah, vieillet. Vieillesse quand tu le tiens. C'est comme ça, on ne peut pas être avoir été. Dites-moi, Madame Guerre, où est-ce que vous êtes née? À Cousse. La montagne, avec les ours. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'était comment votre enfance à Cousse? Oh. Non, on avait des parents. Non, je n'ai pas souffert, moi, je mangeais toujours à ma femme. Non, je n'ai pas. Non. Si. Malheureusement, j'ai eu d'autres choses, mais pas de ça. J'ai perdu mon frère, ma soeur, que je voulais, mais après. Mais manger, j'ai toujours mangé à ma femme. Il y en a ceux qui se plaignent toujours, qui n'ont aucune raison. Non, pas une enfance, malheureusement, si vous voulez, j'ai eu beaucoup de deuil, beaucoup de catastrophes, mais pas. J'ai mangé toujours à ma femme. Et est-ce que vous profitiez beaucoup de la montagne? On en profitait plus que vous. Il fallait courir après les maîtres parce qu'il y avait beaucoup de terrain. Alors on avait toujours les maîtres sur la montagne, il fallait toujours courir parce que les maîtres aussi cherchaient toujours le meilleur. Hein. Ah là là, j'en ai fait des kilomètres, j'en ai fait le tour du monde, oui. C'est comme ça, maintenant je fais du surplace. Chaque chose en son temps. Ah, voilà, qu'est-ce que vous allez faire, ça? Vous allez montrer où, ça? Vous montrez pas ma frimousse, eh? Mais elle est très bien, votre frimousse. Comment? Elle est très bien, votre frimousse, non? Oui, merci, vous n'êtes pas difficile. Hein? Est-ce que vous auriez envisagé vivre ailleurs que dans votre pays? À un moment donné, oui. J'aurais bien aimé partir en Amérique. Du nord ou du sud? Comment? Du nord ou du sud? À San Francisco. Ah. Qu'est-ce qui vous attirait à San Francisco? Ah, mais j'avais des oncles là-bas, j'ai bien parti, oui. Malheureusement, ils sont tous morts, j'ai quelques cousins encore, mais pas grand-chose. C'est comme ça, il y en a une cousine qui est venue me voir il y a quelques années, mais c'est rare, quoi. Et puis, oh, tout le temps, si, ça m'aurait attiré. On m'en allait donner un petit tour, voilà. Bah, bref, maintenant je vais le laisser passer pour le cimetière d'Acousse. Voilà, c'est pas pareil. Ah, ça doit être différent du cimetière de San Francisco. Pas pareil, mais je le verrai depuis là-haut. Ah, mais bien sûr. Il faut toujours y croire. L'espoir fait vivre. Et qu'est-ce que vous croyez? Et comment vous imaginiez San Francisco? Oh, j'en sais rien, très beau. Après, je sais pas. Je vais pas aller le voir, hein. Ça, c'est sûr. Ça, je peux vous le certifier. Que je suis endormie. Merci beaucoup, Madame Guerre. De quoi? Mais d'avoir pris le temps de... De vous dire des bêtises. Oula. Ah. Vous m'avez assez prisé. Non, je vous prends encore un peu. Ça va, tu m'auras suivi ma gueule.
J'en mettais un. Il est toujours là. C'est fini, pas vraiment. Bon, j'arrête de vous embêter. Vous me dites quand il est parti. Hein? C'est bon, je suis parti. Bon, c'est très bien. Un connard. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Bonne route. Ça va. Vous m'avez assez vu. Vous voulez me voir peut-être? Je vous ai pas mal vu de dos aussi, hein. Vous avez pris du dos. Ah, bah oui. J'ai tous les angles. Et comme ça aussi. Comme ça, je ne l'ai pas encore. Attendez. Ah, là, c'est bien. Très bien. Oh. Ça ne tient pas, ici. Ah, il y a de jolies choses ici, ma pauvre. Vous ne vous faites pas filmer. Je ne fais pas partir de votre... Mais si vous le souhaitez, vous pouvez.